Cool. Bon, je viens d'avoir la confirmation. Je vais jouer contre Kayan. Il est prêt, c'est parti. Et bien c'est parti pour ce quart de finale. Bon, on n'a pas une main trop mauvaise. Gouvernement socialiste, on a le scoring en Europe. Hop. Je crois que le départ va être assez standard. On a les indépendantistes rouges qu'on va pouvoir. Pas de soucis. Je pense que la première carte jouée, ça sera l'OTAN, le gouvernement socialiste. On va garder le Japon pour le prochain tour. Containment, dernière carte de. Hop. Pour qu'on pose l'Europe à un moment donné. Alors, il part pas sur un début en France. Truman. Ok. J'imagine qu'il va nous enlever de l'Autriche. Pas de 1, s'il vous plaît, sur le dé. Hein, ce serait quand même mal vu. Et, pas de 2 non plus. À partir de 3, ça vient. Putain, mais. Ah, ça m'énerve. Quand même mettre un petit point en Allemagne de l'Ouest pour comment il réagit. Il a quand même pas l'air d'avoir une grosse main, on va voir ce qu'il fait. Ça j'aime bien. Oh putain. J'ai pas des gros jets de dés, hein. Ah, et en plus j'aurais dû prendre un indépendantiste rouge, j'ai été vraiment con. Ça m'énerve, ça m'énerve. C'est toujours comme ça, quoi. Les Russes, soit tu fais un gros coup, soit tu fais un mauvais coup et tu perds la partie. Il faut que j'aille en Corée du Sud. Ouais. Lui, il rate pas ses GT. Quand même faire un autre coup d'état en Irak avec ma carte 2. Frapper celle d'Efcon. Ah non, j'ai besoin de mettre d'abord. Ah bah si la présence je peux l'avoir avec containment au dernier tour. Ah je sais pas. Hein. Je pourrais aller en.
En Allemagne. J'aurais peut-être. Non, il se remet en. Je vais faire un coup d'état au Pakistan, du coup, je pense. En espérant en faire un peu plus que 1. Qui va faire le coup d'état en Égypte. J'aurais plutôt besoin de 3 points et je vais avoir besoin de scorer l'Europe. Évidemment, il l'avait. Et évidemment, il gagne. Il fait bien de protéger la Thaïlande si jamais j'ai le. Comment ça s'appelle? La révolte au Vietnam. Alors, Cambridge Five. C'est pas mal ça. J'ai pas grand chose d'autre à jouer. S'il pouvait avoir l'Asie, ouais, bien sûr. Bien sûr en headline. Ah, ça m'énerve. Je vais faire un coup en Égypte. Il va falloir maximiser les points au Moyen-Orient là. Comment il peut être à 9 déjà? Comment il pouvait être à 4? Ah si, 2 points de. Que j'en mette un en Allemagne.
J'hésite à attaquer l'Italie quand même. Je sais pas trop ce qu'il va avoir comme main. Il a pas surprotégé l'Italie, je mettrais bien tout ce que j'ai dedans quoi. J'ai besoin de points d'opération en points de victoire. Il y a le Moyen-Orient. Ouais putain, puis les cartes 4 elles sont pas passées quoi. Pas de purge, pas de. Ah ouais, donc c'est pas une bonne idée d'aller en Italie. Est-ce que je me contente de 3 points? Et je garde Fiverr plein pour l'Europe ou l'Asie. Ouais. Ah, je sais pas. Je pense que ce serait bien joué de prendre un maximum de points. Comme ça, je menace le Pakistan et l'Inde en même temps. J'ai besoin d'une grosse carte. Ok, il a juste un point. L'Inde, hein. J'ai bien envie de garder la carte Chine quand même. Ouais, j'aurais pu tenter hein, l'Italie. Il avait pas des grosses cartes. Bon, on aura fait 6 points de victoire à ce tour-là, ce qui est pas dégueu. J'ai pas vu le blocus passer, j'ai pas vu. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Comic-Con, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai pas vu? J'ai pas vu De Gaulle. J'ai pas vu la purge. Si j'ai vu Taïwan, qu'est-ce que j'ai pas vu? Antiquement, je l'ai joué. J'ai pas vu le plan Marshall. J'avais pas vu Révolte au Vietnam. On a limité la casse en Asie. Ah. J'avais pas vu Defectors en effet.
passé, il y a... Ça s'est passé. Il y avait la guerre de Corée que j'avais pas vu passer. La guerre israélo-arabe, j'ai pas vu passer ça. Je vais prendre la Turquie et la Grèce, je pense. J'ai pas beaucoup de points d'opération. Je mettrais bien. Ah, tant pis, il va pas gagner deux guerres. Pff, il fait 6. Ah là 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 là. Ce scandale. Putain de scandale. Qu'est-ce que j'envoie dans l'espace? J'envoie Defectors. Bon, de toute façon, la priorité, c'est l'Europe. Ça, de toute façon, l'OTAN sera pas appliqué. Ah, ça m'énerve cette chance. Bon, il va quand même avoir De Gaulle, Destal. Ah oui, bah oui, Destal. Il y avait l'abdication romaine que j'avais pas vue, en effet. Point de victoire, ça fait toujours mal. Je vais prendre cher, oui. D'école, pas de Destal. Ah, il faudrait que j'aille en France. Il faut absolument que j'aille en France, oui. Espagne, Portugal, Algérie. Je vais garder le plan Marshall en... Ah bah non, je peux pas, j'ai le plan quinquennal. Donc c'est le plan quinquennal que je vais garder.
Le Norad, il est passé? Ouais, il est passé, il me semble. Ouais, ce site, il est quand même sous purge, hein. Est-ce que j'irai pas en Italie, du coup? Parce que là, il va quand même avoir quelques difficultés. Je vais déjà prendre l'Algérie. On va faire les choses dans l'ordre. En Europe, je vais pas être dominé. La guerre de Corée, évidemment, ça sera un événement. Ça me fait 2 ou 4 points de victoire. Événement, événement. Ah, la carte Chine. Eh oui. Eh oui. Que fait-on? D'abord la guerre de Corée. Oui, très bien ça. On nous laisse les mains libres pour attaquer l'Italie. Il va avoir quand même des cartes qu'il va avoir envie de t'envoyer. J'ai vraiment bien envie d'attaquer l'Italie. Mais il a besoin que d'une carte 3 pour répondre, quoi, c'est chiant. Et il a eu l'intervention des Nations Unies. Bye bye. Alors. Bon, ça lui vide un peu sa main, hein. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas besoin, je savais qu'il y avait la guerre israélo-arabe. Bon, celle-ci, je peux la gagner quand même? Non. Je ne sais pas quoi faire. Non, au cours de l'espace, tiens. Et voilà le 6. Wouhou. Fait chier. La purge avec toutes ces cartes pas trop servies. Ceci dit, si j'en ai un, deux, trois, quatre points quand même. Peut-être un cinquième. Ouais, 5 points. Traité APM, évidemment. On va taper sur la Thaïlande. C'est le moment de faire un 6. Hein. Ah, ou 5, c'est pas mal.
C'est pas mal. Mais sérieux? Ouh. Ok. Il est sérieux. Est-ce qu'il y a urgence? J'ai rien envie de jouer moi là-dedans. Allez, Asie du Sud-Est. Ça sera fait. Putain, ce mec fait tellement de 6, c'est un scandale. Me dis pas qu'il va à Cuba, quand même. Oh putain, puis il a eu l'Europe. Trois, quatre, cinq, six, sept, un, deux, trois, quatre, si je prends la Yougoslavie, je prends le Canada. Rien que je peux casser facilement. Ah putain de liste scoring. Bon, je sais à peu près qu'il a l'Europe, ceci dit, sur ces six cartes. C'est vraiment important. Je vais être obligé de sacrifier l'OPEC. Continue son envol. Bon, comment on fait en... Comment on fait là? On n'a rien. Pas de décolle, pas de destal. Abusé. Je vais être obligé de jouer OAS. Est-ce qu'il peut me faire un coup d'état? Pour le moment, il peut pas. Visons deux points de victoire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. J'ai besoin de la Birmanie, j'ai besoin de l'Indonésie, j'ai besoin de la Malaisie. J'ai besoin de beaucoup de choses. J'ai besoin de beaucoup de choses.
Ah, bah ça c'est gentil. Et je vais aller au Zaïre. Sauf s'il me fait un coup d'état au en Cameroun. Voilà. Oh! Ah là 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 là. Putain. Soit défecteur dans la défausse. Ok. Ce serait le moment de reprendre pied en Amérique du Sud, en Afrique, quelque part, quoi. VP aussi en Asie. Ah, en plus, il peut voir ma main. Super. Il peut voir mon. Évidemment. Allez, dis-moi que tu pioches un scoring. Ou pas. Ah, putain. Ah. On va faire un gros coup d'état. Hein. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. 7. Ça m'embête un peu. Je peux le mettre au Zimbabwe, ceci dit. Ouais, 1, je fais un gros coup d'état en Argentine ou au Mexique.
Plutôt Argentine. Ah, je sais pas s'ils sont passés, si, spécialement le somme, si c'est pas la défausse. Il n'a pas joué Messi l'an dernier. Ok. Devait perdre l'Amérique centrale. Ah, il a toujours pas eu la libération théologique, ceci dit. Si VP, je prends. Des bêtises. Je pense qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Craquer une carte 4 dans des pays non battleground juste pour faire. Ouais, ça fait quand même 6 VP. Si je fais ça, 1, 2, 3, 4. Et ceci dit, s'il avait une carte 3, il m'aurait pris le Nigeria. Mettons qu'il n'ait pas de carte 3. Mettons qu'il n'ait pas de carte 3. Que je garde ça pour le prochain tour pour faire des VP. Comment je me sors de cette situation? Gouvernement socialiste, ça l'enlèverait de la Turquie, ça serait pas mal aussi par rapport au scoring de l'Europe. Est-ce qu'il y a peu de chances que je joue en headline là où Will Perry ou River mon retard? Si je fais un coup d'état au Cameroun, ça l'enlève du Nigeria. Est-ce que je craquerai une carte 4 pour ça? J'ai pas très envie.
Ça, c'est ce qui fait le plus de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ouais, si je dois investir des points, ça sera plutôt là-bas. En plus, course à l'espace, il est ultra large. Ah. Est-ce que ce serait pas le moment de lui réduire un peu la voilure? De perdre 2 VP. Je sais, je sais. France. Ce qui fait le plus mal, hein. Ah, mais en plus, je suis obligé de tout jouer parce qu'il a fait vente de grains aux socialistes. Peut-être j'aurais dû le mettre au Nigeria, je sais pas. Putain, j'ai essayé de mettre des menaces un peu partout. J'ai eu le traité ABM. Il a eu Runta, Res-Brochois, sur l'Argentine, ça serait abusé. Oh. Ça me saoule. Ah, ça me saoule. Toutes ces cartes de ouf qu'il peut avoir. Évidemment, voilà l'Amérique du Sud.
Parce que j'irai pas chercher One Small Step. Salt Negotiation. Ouais, parce que là, après, je peux pas envoyer Jean-Paul II dans l'espace, là, si je fais ça, moi. S'il y a un truc que je veux, c'est maintenant d'ailleurs qu'il faut aller le chercher. Ce que je veux, ça pourrait être un traité ABM. Ou un plan. Bah non, parce que ça marche pas, plan quinquennal avec. Dommage. Comme ça, je garde deux cartes. Qu'est-ce que je garde? Je ne sais pas encore. Il peut encore envoyer tuteux? Non, il peut plus. Devrait avoir la libération de telle logique à un moment donné. Junta, ça pourrait être bien. Plein de trucs. Envie du missile. J'ai pas vu la révolution culturelle chinoise. Je prends le traité ABM. J'ai pas vu toutes les cartes qui concernent la carte Chine. L'Italie est surprotégée. Si je fais un coup, c'est Thaïlande. Putain, je vais être obligé de déclencher le NORAD. Tellement de mauvaises cartes. Alliance 1, 2, 3, 4, 5 VP, c'est mort.
Ça va faire partie des cartes que je garde. Putain, ça veut dire qu'il y a plein de cartes que je vais devoir jouer. Jean-Paul, je l'envoie dans l'espace. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Oh, self-drop. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ok. J'ai fait quoi? 3 sur le dé? Wouhou! Il reste trois cartes à jouer, une dans l'espace. Une pour l'event. Oui, j'ai joué la carte fine.
Oh là là. Bon, on va essayer de le réaligner. Oh putain, mais oui, je le savais en plus. Peut-être l'Algérie c'était mieux, je sais pas. Deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais. Qu'est-ce qu'on envoie dans l'espace? Alliance for Progress, for sure. Et celle j'y rattrape. J'ai vraiment que dalle, quoi. Oui, c'est vrai, j'avais pas. Il y avait Proche-Voir, Pakistan. Non, évidemment. Ouh!
Évidemment. Alors, encore une main dégueulasse. Mais au point, j'ai le réformeur. On va partir là-dessus. Alors, en plus, on va devoir tout jouer. Je peux envoyer une carte 3 dans l'espace. Ok. Bon. Alors, on se fait aligner en Afrique? Non. C'est vrai ça. On peut penser à me protéger. Deux, trois, quatre, cinq, six. Il faut ces deux pays. Wouhou. Allez. Évidemment, cours en Haïti. Je dois tout jouer. 1, 4. Ah non. Je dois pas tout jouer. Je fais 1 sur 4. T'es sérieux? T'es sérieux? Je prendrais bien l'Égypte quand même.
évidemment. Évidemment. J'ai tellement chaté tout du long. Je sais pas quoi faire. Comment ça se fait qu'il est... Ah oui. Ah, j'ai cru qu'on était le dernier tour. Oh là là. Il semblait bien que je devais tout jouer. Oh non, c'est pas la peine. Le fais vraiment pour les 2 VP, hein. Un peu d'avance en Europe. Ah, ça fera un peu une victoire alors. C'est un ostre 6, lol. Plein de bonnes cartes. Le tché me paraît pas mal ici.
Ensuite, en des fusées V2. On va faire un coup d'état. Je tourne en Angola. Ah oui. Eh ben, oh. Oh putain. Oh là 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 là. Putain, tu fais chier. Tu fais chier. Toute façon, elle est dans la défausse, là, le Indian Man. Ouais. Oh putain.
Ouais, bah je sais, tu fais chier. Allez, une purge pour finir. Oh là 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 là. Putain. Wouh! Oui, j'ai fait intervention des Nations Unies. Allez. Oh là là. Oh.